Bonjour, nous sommes le 29 à midi, vous avez regardé donc les différentes vidéos ce matin. J'ai eu passablement de questions par rapport au mur porteur, donc je vous fais vite une petite vidéo pour vous expliquer ou pour vous donner mon avis par rapport à la situation donnée. Vous avez donc reçu ce plan, donc j'insiste à nouveau que ce qui compte, c'est le raisonnement. Le raisonnement, vous devez trouver une solution pour fixer cette tourelle qui a une petite tourelle fixée sur elle-même qui doit être fixée sur la grande tourelle. La grande tour, pardon. Donc, on a deux éléments en porte-à-faux. Grosso modo, il faudrait déjà fixer cette tourelle sur la moyenne. Une fois que ces éléments, ils tiennent, ils sont solidaires, on les fixe sur la grande tour. Le souci, c'est le poids. Ça, c'est assez lourd. Ça a tendance à tomber. Comment faire? Il y a deux, je dirais, il y a deux solutions, voire trois. La première solution, vous montez cette tour, c'est simple, elle tient comme une cheminée, elle va tenir d'elle-même. La deuxième tourelle peut être soit accrochée sur le flanc de la tour principale, ça veut dire sur ce point-là et ce point-là. Ça veut dire que vous avez un élément comme celui-ci qui va être fixé latéralement. S'il est fixé latéralement, il ne peut plus tomber. Une deuxième solution serait de lui faire une console. Et il faudrait le fixer encore sur le haut pour pas qu'elle ait tendance à pencher dans le vide. Si vous disposez une console, elle ne va pas tomber. Donc vous pourriez faire une très grande dalle avec une console et cet élément tient et il suffit de le tenir pour pas qu'il tombe. Vous pouvez aussi, vous êtes en béton armé, lier tout ça comme deux murs de béton qui sont enchevêtrés. Vous avez un ensemble de ferrailles ici de la tour principale qui vont sortir du mur et vous avez de la ferraille de cette tourelle, du coffrage, qui va s'enchevêtrer à l'intérieur de cette ferraille de ces tours. Une fois que vous bétonnez toutes ces choses-là, les choses sont grippées. Elles sont ensemble, elles ne vont plus bouger. Il y a du béton là autour, ça ne va plus bouger. Donc vous avez de manière linéaire. Vous aurez quelque chose qui va tenir. Je vais le symboliser avec du scotch. Même d'un seul côté, il tire déjà. Vous avez votre première tourelle qui tient. Vous pourriez également construire un socle là-dessous. Donc, imaginons que l'on prend un bout de carton.
On va faire un socle qui est à peu près ce qui est symbolisé ici. Si vous aviez un socle qui tient mieux que le mien, imaginez que ce socle est fixé de manière très rigide contre la tour principale. On le voit ici, c'est ce qu'ils ont essayé de faire par déport d'une succession de couches. Cette console est très très solide et elle tient l'ensemble de la première tourelle. On peut aussi le faire fonctionner de manière hybride, c'est-à-dire que vous accrochez la première tourelle sur la grande tour plus le socle. Donc vous avez deux éléments porteurs. Donc je dirais il y a trois solutions. Soit ça tient que latéralement, et ça c'est un décor. Soit vous faites un socle, une console très solide, et vous attachez uniquement sur la partie haut pour que la tour ne tombe pas. Soit hybride, socle et latéral. Vous avez votre charpente. Vous avez le mur de l'autre côté, qui ici sera pas porteur, c'est un décor. Et vous avez la deuxième petite tourelle. Pareil. Vous pouvez soit faire un socle, soit la fixer latéralement. Je vais la fixer latéralement. J'ai opté pour ça, mais je pourrais tout à fait avoir un socle qui est fixé sur la tourelle intermédiaire et qui tiendrait l'autre de la même manière que la première tourelle. Donc fixé soit latéralement, incrusté, soit vous disposez une console, soit vous faites ça de manière hybride. Et c'est à vous avec le béton armé. Le béton armé est une des données. Vous liez ces murs de béton armé et le plaquage est un parement qui est un décor que vous fixez et ce décor est avec l'isolation. Le plaquage, vous l'avez vu sur la vidéo du chantier au pommier. Ils livrent avec la grue, c'est un élément préfabriqué qui est posé, qui est avec de l'isolation, le plaquage, il protège, c'est comme une carcasse, c'est comme une carapace de tortue, et ça protège et on les dispose les uns après les autres et ça fait votre isolation. Et c'est toutes ces pièces préfabriquées qui devront être dessinées de façon à être assemblées juste pour qu'on arrive à une protection du bâtiment et sur son système porteur principal.